4. Six, four. Seven, 4. C'est dommage, encore une fois, cette attaque qui est trop longue. Belle attaque là de la part de Bernadette Seutsch. Dans le replacement, c'est parfait. L'enchaînement sur ce coup droit est 4 balles de première manche. La première est sauvée. C'est pas joué à grand chose. Hein. Il reste 3. Sait-on jamais, ça peut aller très vite. Un match de tennis de table. Allez, malheureusement, c'est un peu long. On 7 pour Seutsch, qui a parfaitement géré cette première manche et prend logiquement les devants. C'est pas une monstrueuse performance, hein, mais elle est solide, elle fait pas de faute.
la Roumaine, contrairement à Janan qui malheureusement a souvent touché le filet, ça a fait sortir sa balle. Mais elle prend l'initiative dans le jeu, elle est plus agressive, plus offensive. On est qu'au début de ce match, on le rappelle, il y a 4-7 gagnants. Un peu plus de réussite dans ses attaques pour Janan et ça ira beaucoup mieux. Voilà, par exemple, de la longueur, il y a de l'agressivité. Elle met seule sur le reculoir. Elle remporte ce premier point. Elle s'est bien décalée hein, sur ce dernier coup. Allez, c'est dommage. C'est dommage. Point un petit peu gratuit. Sur le service de Such. Let one on. Voilà, ça c'est bien. Encore une fois, elle a son plan, la Française. C'est d'agresser Such. Attaquer sur son revers. Et voilà, ça, très bon service encore. 3-1, point gratuit là aussi. Et c'est elle qui prend les devants dans ses débuts de deuxième manche. Ça continue, c'est très très bien. Dommage. Dommage cette attaque là encore qui termine dans le filet, mais pour l'instant elle semble s'être réglée. Elle a eu la première manche pour faire les petites fautes, faire des grosses fautes aussi. Et là maintenant, ça y est, la Française, elle est dans son match. Elle a pris la mesure de la table, de l'environnement. Et elle trouve les bons angles pour gêner son adversaire. 5-2. Encore hein, de la belle longueur. Such n'a pas le temps de s'écarter de cette balle. Et elle poursuit, elle gagne les duels. 6-2. Ça c'est la belle réponse de la part de Such. Et on entend hein, les encouragements, les petits conseils. Dans le clan de Janan. Toujours très important. On est en Suisse évidemment, mais on est à Montreux. Un public qui est un peu plus acquis à sa cause. Et cette attaque est un peu longue. Elle a tenté Such. Qui est un petit peu attentiste depuis le début de cette partie. En tout cas, bien moins incisif que Janan. C'est pourtant elle qui mène. Ça va beaucoup mieux dans cette deuxième manche. Et voilà, encore une fois, elle bouge parfaitement la Roumaine, la Janan. 8-4, elle se rapproche
Ouais, c'est dommage. Avec beaucoup de longs échanges hein, pour l'instant. C'est un petit peu la première fois qu'on a 3-4 coups de raquette en cadence comme ça. Parce que c'est vraiment l'objectif de Jianan, c'est d'éviter justement ces points-là. Et malheureusement, encore une fois, il touche le filet sur cette attaque. Ça sort 8-6, toujours 2 points d'avance avant de servir 2 fois. Pour la 26e joueuse mondiale, tête de série numéro 4 de ce tournoi, Jianan. Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Tout de suite, de réenchaîner, de reprendre les points. Tout de suite, hein, ce décalage coup droit, cette accélération. Toujours un petit peu sur le corps de Search qui n'a pas le temps de se décaler pour jouer idéalement ce point. Et derrière, le bon service. Et 4 balles de jeu. On est dans la même configuration que sur la manche précédente. Que cette fois, c'est à l'avantage de Jianan. Et la première est la bonne. Impeccable. Les yeux de sa famille, de Pritika Pavad, Jianan Yuan qui revient un partout face à Bernadette Search. Elle n'a pas dévié de son plan de la première manche. Juste, elle a été un petit peu plus juste, tout simplement, dans ses coups. Plus précise. Elle a été vraiment tout autant agressive. Hein. Il fait un très bon deuxième jeu. Il est 11-6, il est logique. C'est dommage. On ne saura pas ce qui est important du coup. Mais on va dire que de mon point de vue, ce qui est important, c'est de continuer à faire ce qu'elle fait parce que elle gêne considérablement Bernadette Search. Je disais que Jianan est quatrième tête de série numéro 4 de ce tournoi. On a les 4 joueuses les mieux classées hein, en demi-finale puisque Search numéro 12, Jianan numéro 26 mondial et puis l'autre demi-finale entre Nina Mitolam et Sofia Polkanova mettra aux prises les 21e et 22e mondial. C'est bien d'avoir des points gratuits sur le service. Il y a eu quelques mises en jeu que la Roumaine n'a pas réussi à remettre. C'est dommage. C'est dommage aussi pas pouvoir laisser l'échange s'installer. Ouais, grosse défense et derrière la contre-attaque de Jianan. C'est un point magnifique et c'est un point très important. Elle a résisté sur les 2 premiers coups de raquette. Et dès qu'elle a eu l'ouverture, elle a attaqué immédiatement. Vraiment à l'image de ce début de match. Et elle essaye vraiment de ne pas faire respirer Search. Sur le recul, là pour jouer ce coup malheureusement. Ce match il est important historiquement pour Jianan Yuan et pour le tennis de table féminin français. Il n'y a jamais eu de française en finale du top 16. Xiaoming Wang Dreshu avait été médaillé de bronze en 90. Mais en finale,
On n'a malheureusement jamais eu de française depuis 1971. Baisser le rythme là, Djanan, malheureusement sur ce troisième jeu. Voilà, remettre la marche avant, reprendre une recette qui fonctionne. Six. Et profiter des fautes de la Roumaine. 6-4, elle revient à deux longueurs. Va être serré ce match, il va être on est capable d'aller au bout du septième jeu. 7-4. Elle a les armes, Djanan, aujourd'hui en tout cas. Elle semble avoir la recette pour gêner Search. Il dit évidemment falloir faire le moins de fautes possible, c'est très facile à dire bien sûr. C'est dommage parce que là encore l'échange était bien installé. Elle a serré le jeu, Search là, dans cette troisième manche. Sans que la deuxième, où elle a été vraiment en dessous, mise en difficulté par Djanan. Elle a un petit peu réveillé, on va dire. Elle a quand même déjà remporté la première, hein, donc... Elle n'était pas aux abonnés absentes, mais... Ça a été une piqûre de rappel. En tout cas, elle l'a pris comme tel. 8-5. Pourquoi pas revenir à 8-6. Essayer de mettre la pression derrière sur les deux engagements de la Roumaine. Voilà, par exemple. Un service comme ça, bien coupé pour gêner la relance. Let 8-6. Ah, super, là encore cette accélération, ce petit décalage de Djanan qui revient à 8-7. Il était mené 8-4. On le rappelle, un bon retour, un bon deuxième coup de raquette pour mettre Search hors de position et terminer le travail le long de la table. Magnifique point. Ah, c'est dommage. Premier coup de colère de la Française qui restait impassible depuis le début de la rencontre. On sent que c'est un moment tendu, 8-7 dans la troisième manche. Évidemment que c'est un moment important. Allez, rien n'est perdu. Ouais, superbe. Elle n'en avait pas gagné encore des points. Il s'était joué de cette manière. Ça a toujours été elle qui craquait en premier, qui commettait la faute. Et là, cette fois, c'est Such qui sort sa balle, 9-8, 8-9, puisque c'est Djanan qui sert. Oh, la réussite! La réussite pour la Roumaine qui touche le filet, ça touche le bout de la table. Ça, c'est cruel parce que à ce moment-là de la manche, ça lui offre deux balles de jeu. Elle s'est excusée évidemment. La salle suisse qui en remet un petit coup pour soutenir Djanan. Cette fin de manche tendue. Allez, malheureusement, cette balle qui reste dans le filet. Bernadette Search reprend les devants. Et que ce match est serré parce que Djanan, vraiment, de par son jeu, est en train de mettre en difficulté la Roumaine. Mais voilà, il y a eu, on l'a dit dans la première manche, quelques fautes qui ont permis à Search de faire la différence. Là,
alors que Jannan avait raté son début de manche. Elle était en train de revenir. Il y a eu ces deux petits points. Jannan d'abord a raté un petit peu sa balle, a trouvé le filet. Et puis surtout, évidemment, à 9-8, cette balle qui a touché le filet pour Seutch, puis est allée accrocher le bout de la table du côté de la Française. Ça fait partie évidemment du tennis de table, ça fait partie du sport, hein, les petits coups de pouce. Ça permet à la Roumaine de virer en tête 2-1, mais on le voit au niveau du score, rien n'est fait. Pas de complexe hein, pour Jannan, loin de là, qui est mené 6-1 hein, dans ses matchs avec Bernadette Seutch. Seutch to serve la vol. C'était affronté 4 fois l'année dernière, 4 victoires de la Roumaine. Cette victoire de Jannan, elle remonte à près de 10 ans. C'était à Oman. Elle avait remporté 4-3. Et encore une fois, ça touche vraiment le bout de la table pour Bernadette Seutch. Elle remporte ses deux mises en jeu dans ce début de quatrième manche. C'est important, évidemment, de revenir à deux partout. Ne pas laisser la Roumaine s'échapper. Ce genre de point qui montre bien hein, que Jannan déjà sert excellemment. Bien et que Seutch fait pas un très très grand match, mais bousculé justement par Jannan. Belle attaque là de la part de la Roumaine. C'est vraiment rare. Ce genre de point où elle est agressive et sur un coup de raquette, elle arrive à tromper Jannan, à lui faire commettre la faute. C'est ça aussi la force des meilleures joueuses et des meilleurs joueurs du monde, c'est pas être forcément très agressif, de pas être forcément dans un grand jour, dans un grand match. Mais malgré tout, d'enchaîner les points et d'enchaîner les jeux derrière. Continue de s'accrocher Jannan, bien évidemment. Let 3, 4. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah, vraiment, le filet, il est avec Bernadette Seutch aujourd'hui. Elle n'a rien pu faire là sur cette balle. Jannan, évidemment, surprise par changement de direction de cette balle. Le filet a choisi son camp pour l'instant. Et elle continue d'appuyer. Elle en profite évidemment derrière. Seutch, elle confirme. Elle a remporté ses 5 points. Time out. Où elle a servi, temps mort, elle a demandé. Du coup, ouais, c'est important un petit peu de casser le rythme. Très concentré, hein, Jannan Yuan. Démarre
la balle. Et après, tu aurais une balle un peu plus facile. Et la deuxième balle, je la veux milieu ou dans le couloir. C'est cruel, hein. Vraiment, c'est deux points à un intervalle très court en faveur de la Roumaine qui touche le filet, puis un bout de table. Allez, 6-3. Elle était un petit peu embarquée de cette manière dans la manche précédente et elle a failli revenir, elle a failli recoller. Rien n'est perdu, évidemment. Malheureusement, quand ça veut sourire avec le filet pour Jianan derrière, ça offre une belle balle d'accélération pour Search. Qui prend 4 points d'avance, qui prend le large dans cette quatrième manche. Allez, qui en plus se montre agressive là, en retour. C'est dommage. Et 4 points de suite là pour la Roumaine. Il faut réussir à stopper l'hémorragie. Et malheureusement. Malheureusement, cette attaque, elle est trop longue. Encore une fois, 9-3. Attention, parce qu'on va virer vraisemblablement à 3-1. Il ne restera qu'un seul set à gagner pour la Roumaine. Plus le droit à l'erreur pour la Française. Allez, cette fois, ça lui sourit. Là. Est-ce qu'il n'a pas assez réussi à faire hein, sur cette quatrième manche, réussir à trouver les angles pour bouger Search, pour lui faire commettre les fautes. 9-5, revenu à 4 longueurs. Elle a remporté les 2 points de la mise en jeu adverse. C'est important, pourquoi pas revenir. Elle aussi, elle peut enchaîner les points à la Française. Ouais, belle attaque encore. Elle est de retour dans cette quatrième manche, Jianan. Elle a fait reculer Search une première fois avant d'attaquer. On a vu, hein, ça a encore une fois touché un petit peu le filet. Elle s'est excusée, la Française. Aïe, dommage. C'est dommage, elle avait fait le plus dur sur le deuxième coup de raquette de la Roumaine. Elle avait réussi à reprendre le fil de ce point. Et ce petit bout de filet, malheureusement, qui vient sortir sa balle. 17, 3 balles de jeu. Pour la 12e mondiale. Allez, ce sera la bonne. La première est suffisante. Allez, c'est dommage parce que là, Jianan, elle passe un petit peu à côté de cette quatrième manche. Search en a mis aussi un petit peu plus. On a l'impression, pas énormément, mais suffisamment pour ne jamais vraiment être inquiété. Malgré cette série de 4 points de la Française. Si può conducere, io ci canti fuori dai quarti scuri, fuori dai quarti lunghi. Se tu facci da blu non stai che puoi fare, stai che puoi fare. Non ci interessa, che tu vieni in faccia, ma lui in faccia non ce l'ha giù. Je laisse les gens qui parlent roumain évidemment écouter ce qui se dit entre Bernadette Search et son coach.
fifth game. Yanan to serve, Lavoul. Il n'a plus le droit à l'erreur, Yanan. Elle doit remporter les trois dernières manches pour aller pour se qualifier pour la finale. Sinon, eh bien, ce sera une médaille de bronze et ce sera malgré tout une première pour elle. Ah, quelle défense encore! Petite défense réflexe là de la part de Search sur cette énorme accélération de Yanan et ça touche vraiment le bout de la table. Elle a cette petite réussite hein, aussi qui permet de faire la différence, la Roumaine. Parce qu'elle fait un match solide, bien évidemment. Elle fait un match de 12e mondial, mais sans être non plus impressionnante. Cool. Il faut prolonger cette partie, la prolonger un petit peu, revenir à 3-2. Évidemment, pas calculer la 7e manche. Hein. Il faut déjà remporter celle-là. Et c'est de cette manière-là, en se montrant de nouveau agressive. En voyant des énormes attaques sur le coup droit ou sur le revers de la Roumaine, que Yanan va marquer des points, va faire mal à son adversaire. Et malheureusement, il faut pas faire ces erreurs, malheureusement. Elle prend les devants pour la première fois, Bernadette Search. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que malheureusement, l'impression qu'elle n'a pas besoin de faire grand-chose pour marquer les points à la Roumaine, alors que la Française se montre justement, hein, vraiment, depuis le début de ce match, plus offensive, plus agressive. Voilà, comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'elle va réussir à rester dans ce match. Je disais déjà, sur le point précédent, qu'elle avait remporté la Française. Bonne accélération de coup droit pour mettre la Roumaine hors de position. 5-4. Et là, c'est la Roumaine qui craque en premier. 5 partout. Ça, c'est une énorme faute sur cette accélération de la part de Search. La balle qui sort très très loin de la table. Et la réponse tout de suite, 6 partout, il est serré. Ce cinquième jeu, il est très serré. Match de cette partie dans l'ensemble, même si on n'a jamais eu un jeu véritablement aussi serré, puisqu'on a toujours eu une des deux femmes qui avait un certain avantage de points, 3, 4. Aïe, dommage. Le retour était bien croisé, bien envoyé de la part de Search, qui reprend l'avantage 7-6 pour la Roumaine. Thank you.
c'est dommage cette balle qui sort. 8-6. Et au meilleur des moments, Soch qui reprend. Deux points d'avance. Elle est à 3 points de la finale. Une première dans le top 16 depuis 2019. Je le disais, elle avait été battue en finale. Allez, ça c'est bien. Pour ce petit jeu là. Ça joue vraiment au... l'autre côté du filet là. C'est finalement la Roumaine qui fait la faute en longueur. Ouais, c'est bien. Le petit geste d'agacement en plus de Bernadette Soch. Il n'a pas aimé se faire agresser comme ça par Jianan. 8 partout. Toujours les encouragements d'un public francophone un peu plus acquis, je le rappelle, à la cause de Jianan Yuan. Oh, c'est dommage. Ah, et c'est pas le moment de faire ce genre de faute au service. 8-9. Elle a fait le plus dur en mettant les deux points sur le service de la Roumaine. Allez. Allez, ça c'est bien. La bonne longueur, 9 partout. Elle est énervée, Bernadette Soch. Il faut en profiter. On l'a vu, on se tournait vers son coach. Avoir des mots un petit peu énervés. 2 points pour aller chercher cette cinquième manche. Et ce sera une balle de jeu en faveur de la Française qui remporte ce bras de fer de quelques coups de raquette. Il fait commettre la faute à son adversaire. 9-10. Une balle pour revenir à 3-2. Et la faute, encore une fois, de Bernadette Soch. Elle est encore en vie dans ce match. Jianan Yuan, 11-9. Ah, pourtant, elle a été menée 8-6 sur la fin de ce jeu. Ça a été compliqué. Elle s'est accrochée, elle est revenue. Elle fait un petit peu sortir Soch de son match, de son plan de jeu, on va dire. Et malgré un service qu'elle a offert à Soch, elle l'emporte 11-9, 3 manches à 2 pour la Roumaine. Ce match, il peut durer, on l'a dit. En quart de finale déjà, hein. Bernadette Soch, elle a bataillé 7 manches contre Natalia Bayer, la polonaise. Elle a d'ailleurs été menée 3 manches à 1. Elle a remporté la première, elle a perdu les 3 autres, dont un sévère 11-4. Et puis derrière, elle a accéléré 11-4, 11-7, 11-6 pour l'emporter 4-3. Elle n'est pas passée loin, hein, de l'élimination, Bernadette Soch. Mais elle est là, solide. Sixth game, Soch to serve, la volée. Allez, sixième jeu. Et c'est la Roumaine qui va servir en première. One love. Ouais, encore une fois. Belle attaque, elle met Soch hors de position. On a le sentiment qu'elle a repris le dessus sur son adversaire, mais... Depuis le début du match, hein, elle fait meilleure impression. Malheureusement, elle a des petits trous d'air, on va dire. Et ça, c'est un point magnifique. Là,
elle est dans un très bon moment. Le momentum, il est pour elle, Jianya Nguyen. C'est vraiment solide ce qu'elle propose. Et évidemment des fautes. Il y aura encore des fautes d'ici la fin du match, bien évidemment, mais elle fait les points pour elle et pour Soch. C'est ça qui fait la différence en fait, c'est que c'est elle qui tente, c'est elle qui prend l'initiative. Et quand ça passe, eh bien, ça fait les deuxième et cinquième sets. Savoir que c'est elle qui l'emporte. Et de manière logique, en prenant vraiment le dessus sur Bernadette Soch. Et là, l'avantage dans cette sixième manche, il faut la conserver, évidemment. Voilà, profitez d'un très bon service qui fonctionne vraiment bien dans cette partie. Une adversaire qui, encore une fois, ne joue pas son meilleur tennis de table. Quel combat entre les deux femmes. C'est la Roumaine qui l'emporte cette fois. Avec ce dernier coup sur le corps de Jianya, mais c'est allé très très vite. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup des points comme ça, mais ils ont été spectaculaires à chaque fois. De joueuses de haut niveau, hein, bien évidemment. Et c'est dommage, ce retour dans le filet. Elle est de retour à hauteur. La Roumaine, la 12e joueuse mondiale, la tête de série numéro 1 de ce tournoi. On le disait en début de retransmission que ce match il allait être serré, que pouvait avoir cette manche. Alors on n'est pas encore à la 7e bien évidemment, on l'espère fortement. En tout cas ce match il est vraiment vraiment serré. Ah, elle a réussi à ressortir un nouveau coup magnifique, la Bernadette Soch. Elle semblait battue. Et elle a finalement réussi à surprendre la Française. C'est dommage, 6-6. Il n'y a plus du tout la possibilité de marquer plus de 2 points d'affilée hein, pour les deux femmes. Maintenant, on est sur un match vraiment à 50-50. Il y a de la tension. C'est vraiment la première qui craquera. 7-6 pour la Française. Cette balle qui avait un effet un petit peu particulier, qui a complètement surpris Bernadette Soch. La grosse défense, voilà. Pour la faute de la Roumaine, 8-6. Au meilleur des moments, elle prend 2 points d'avance, elle remporte les 2 points de la mise en jeu de la Roumaine. Et en plus, derrière, elle est beaucoup plus solide maintenant dans les échanges et le public est très content. Qui vraiment depuis le début du match soutient Jianya, qui a envie que ce match aille au bout des 7 manches. Ah, elle a changé sa manière de servir pour surprendre et ça marche. 10-6, 4 balles de 7e manche, 4 balles pour revenir à 3 partout. Ah, et c'est dommage, là elle a été bien solide, bien agressive. Soch. Allez.
C'est dommage, encore une fois. Elle a tenté Jianan sur ce dernier coup de raquette. Parce qu'elle était encore une fois pas très bien embarquée dans ce point. 18. Cette fois, c'est sur son service qu'elle va tenter de conclure. Et le service est bon. Avec encore une fois cette variation. 11-8. Et Jianan Yuan revient à 3 manches partout dans cette demi-finale de haut vol. Dans ce top 16 européen que l'on vit tous ensemble depuis le début du week-end sur l'équipe live. Après avoir éliminé Nishia, après avoir éliminé Samara, eh bien Jianan Yuan se verrait bien remporter sa demi-finale face à Bernadette Soch. La 12e joueuse mondiale, tête de série numéro 1 de ce tournoi. Qui, comme au tour précédent, eh bien, va encore jouer 7 manches. Ça lui a réussi hier contre Natalia Bayor. Mais Jianan, évidemment, c'est un autre niveau et on a entendu les mots. Elle va mettre beaucoup d'intensité. La vol. Ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien. Accélérer comme ça, ça c'est un beau ralenti aussi. Petite erreur, petit souci au niveau de la réalisation. Ce sont des choses qui arrivent, bien évidemment. Et la faute sur le retour de Bernadette Soch, 2-0. Ça, c'est très, très bien de démarrer cette manche de cette manière pour la championne d'Europe en double mixte. Hein. On rappelle, c'était en 2002 avec Emmanuel Lebesson. Et les fautes s'enchaînent du côté de Bernadette Soch qui demande immédiatement un temps mort à 3-0. Elle sent, la Roumaine, que c'est le moment de casser le rythme. Ne pas se laisser déconcentrer par ce temps mort. C'est évident qu'il faut l'utiliser, ce temps mort, au moment où c'est le plus important et quand l'adversaire est en train d'enchaîner les points. C'est sûr que c'est un moment important. Cette faute, la première faute dans cette manche. C'est dommage, et on entend à chaque fois. Public réagir et être déçu. Allez, encore belle accélération de Jianan avec son coup droit. Son coup droit puissant. Fait mal à ses adversaires.
belle attaque là aussi de Search. Ah, il lui a fait du bien ce temps mort à Bernadette Search qui revient à 4 partout. Elle était menée 3-0 au moment de casser le rythme. Un temps mort utilisé à très bon escient par la Roumaine. Évidemment beaucoup d'expérience, hein. 28 ans. Alors, 10 de moins que Gianan, mais on l'a dit. Il a vécu beaucoup de choses, beaucoup de belles victoires. Five, four. Superbe attaque là, encore une fois, elle est en train de répondre à ce que lui propose Gianan depuis quelques points. 5 partout. Elle ne lâchera pas aussi facilement. Let five all. Ah, superbe. Sous les yeux des frères Lebrun, évidemment. Ils se sont affrontés hier, vous avez pu suivre ce match magnifique, ce quart entre les deux frangins. La victoire de l'aîné, Alexis, qu'on retrouvera tout à l'heure en demi-finale chez les hommes. Tout le clan français est là pour suivre Gianan Yuan. Et il sera là, évidemment, pour suivre sa finale si jamais elle réalise l'exploit. Ce qui ne serait pas un exploit à la vue de ce qu'elle montre. Parce que Gianan fait un vrai, vrai bon match ce matin. 6 partout. On entre vraiment dans le money time de cette partie. 3 manches partout, 6 partout. Et... commence à sauter partout sur le bord du terrain. Évidemment de la tension. Allez, dommage. Elle s'est manqué là, elle s'est trompée là sur ce coup. Gianan, c'est dommage, 7 partout. On avance d'un en un des deux côtés là. Allez, 8 partout, cette attaque qui termine dehors. Heureusement, elle s'est montrée agressive, elle a tenté d'aller chercher ce point. Search, 8 partout. Elle va être serrée jusqu'au bout. Allez, vraiment tout au bout de ce match. Tout au bout de ce match, 9-8. Grâce à cette erreur, encore un service pour Gianan, en profiter pour pourquoi pas s'offrir 2 balles de match. Ah, superbe encore l'agressivité, l'attaque en coup droit et la défense de Bernadette Search qui sort 18, 2 balles de match pour Gianan Yuan qui était mené 3 manches à 1 tout à l'heure et qui est en train de renverser la 12e joueuse mondiale, la numéro 1, la tête de série numéro 1 de ce tournoi, de ce top 16 européen. Yeah.
Et c'est dommage. Et c'est dommage. Cette défense qui touche le filet, mais là, est allé le chercher ce point Bernadette, son entraîneur qui souffle. Oui, il y a de la tension aussi sur le côté, bien sûr. Et la faute. La faute en longueur de Bernadette Seuch. Le sourire magnifique de Gianna Nguyen qui réalise l'exploit dans cette demi-finale du top 16 européen. Ce succès magnifique. 4 manches à 3 face à Bernadette Seuch. Elle était favorite, la Roumaine. Mais Gianna a réalisé un match de très haute volée pour l'emporter et rentrer dans l'histoire, un peu plus dans l'histoire du tennis de table français, puisque c'est la première française qui se qualifie pour la finale de la compétition. On l'avait égalé, je le disais tout à l'heure, Xiaoming Wang Dreshu qui avait été médaillé de bronze en 90. Et aujourd'hui, eh bien, quand on perd en demi-finale, on est forcément médaillé de bronze. Ce n'était pas le cas à l'époque. Mais une Française en finale de l'épreuve, on n'avait jamais vécu ça depuis 71 et l'introduction de ce top 16. Et eh bien voilà, on aura une finale tout à l'heure à Montreux.